Je crois que c'est à vous, mon adjudant. Donnez-moi, ma femme va le recoudre. Mais je ne l'ai pas vu de la journée. Mais c'est normal, elle est partie chez sa sœur. Laquelle, Flair? Hein? Où l'avez-vous trouvé? Au sous-sol, mon adjudant. Qu'est-ce que vous foutiez au sous-sol? Ceci a été tapé sur la vieille machine par celui qui a perdu ça. En somme, vous m'accusez? Ma femme croit que c'est moi qui étais là-bas hier soir. Et vous y étiez? Non. Je surveillais mon adjudant. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnite. Je suis prêt à mourir pour vous, mon adjudant, mais que ma femme que j'adore, me soupçonne. Dénoncez-vous, mon adjudant. Il y va de mon honneur conjugal. Je comprends. Je comprends. Je comprends, Cruchot. Mais moi aussi, il faut que je vous fasse un aveu. J'ai eu une bouffée de chaleur. J'ai eu ma minute de folie. Ma seconde d'égarement. Cruchot, par pitié, n'en parlez pas à Germaine. Je vous en supplie. Mais c'est pas parce que Gros Nounours a les trouillons que petit Ludovic va payer l'addition. Oui, mais... Si, Gros Nounours, j'aurais reconnaissance éternelle à petit Ludovic. Cruchot, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Tout? Tout. Vraiment tout? Vraiment. À vos ordres, mon général! Manager! Manager! Tous les matins, vous réciterez un éloge à ma grandeur en alexandrin, 12 pieds, et que ça rime! Ça rimera, mon général! Je vous aime, mon général! Je vous aime, mon maréchal! Je vous aime, mon maréchal! Je vous aime, mon maréchal! Voilà!